Tribune. Tu te le rends? Il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope? L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi? Moi aussi. New York Herald Tribune. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te regarde. L'horloge n'a plus d'aiguille. Je te regarde encore une dernière fois. Même si vous ne m'aimez pas, laissez-moi vous aimer. Oh oui, laissez-moi vous aimer. Prenez garde. Si vous me rejetez, j'irai trouver vos supérieurs. Je ferai tout pour vous nuire. Je leur révélerai votre conduite. Je vous ferai chasser de l'armée. Mardi matin, 8h34. À la station Bonne Nouvelle. Des mains s'agrippent sur mon épaule. La lutte éclate, faut bien sortir. Sur ton vélo, le souffle court, la nuit fut blanche, paraît-il. C'est un succès, c'est Amérique. Midi et demi, café des Halles, à côté de moi, une femme sourit. Un homme rentre, c'est peut-être lui. Je te regarde encore une fois, ta bouche rouge ne sourit plus. Le soir, l'averse tombe. La file s'allonge pour Hitchcock. Tu sautes entre les flaques. Tes cheveux brillent sous un journal. Tu iras voir, sans toi ni loin. Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information. Dans une information constante. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On aura des postes partout. On ne voyagera plus. Ça ne sera plus la peine de voyager. Quand on peut faire le tour du monde en 8 jours ou 15 jours, pourquoi le faire? Dimanche, je l'aperçois. Un bébé sur un jean et cheveux. L'assassin court tout. Je me retourne, un cri résonne. Ton ombre s'éloigne. Le vin n'a plus de goût. Il rend tes lèvres rouges. Sing, sing, sing. Tu danses encore, les bombes ne tomberont plus.